Salut, salut tout le monde! Bienvenue à tous! Donc, on est parti pour un nouvel épisode sur Heavy Rain. Donc, l'épisode 4. Donc, on continue notre carrière. Et je vous conseille d'y voir les précédents épisodes, sinon vous n'allez pas comprendre. Et n'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Pour voir plus de vidéos, on a aussi la page book aussi, comme ça on met les liens de chaque live. Comme ça vous ne loupez aucun live, vous aurez toute l'actualité de la chaîne aussi. Donc voilà, donc là je vais mettre le lien, et puis on va repartir. Et re tout le monde, ceux qui sont sur Twitch là, re 4 sur. Alors... Et on est sur Heavy Rain. Maman, c'est pour toi. Ouais, on va commencer. On va commencer, bougez pas. Donc là, sur Heavy Rain. Et merci pour ton abo, princesse. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube pour voir toutes les vidéos et toutes les rediffusions. Ça parle de poussière de fée là. Oh là. Vous êtes partis loin là, les gens là. Ouais, non, mais là, il a fumé Wizbot aussi. Ouais, moi j'ai essayé, mais rien à faire. Je suis revenu à la clope. J'ai essayé du coup, mais ça m'a pas. Ça m'a. Enfin, pendant un moment c'était bien, mais après ça m'a manqué. Bon, on continue, on fait quoi, maman? On continue, maman? Non, on va y voir les contenus additionnels. Alors, making of. Là, j'allais voir tout ça là. Trophée. Ah, j'ai pas mal de trophées là. J'ai pas mal de trophées. T'as pas de chauffage? Comment ça, t'as pas de chauffage? Ma pauvre, elle va se licailler. Prends une bonne couette, bien douce, et c'est parfait. Ouais, c'est vrai, princesse. C'est vrai, c'est vrai. Bon allez, continuez. C'est parti. Et je pense qu'elle va aimer le chocolat chaud. Elle aime bien le chocolat. Ok, bon, c'est parti. Alors. On en était où? Je sais même plus où est-ce qu'on en était. Ah, pour la bœuf! Ah oui, c'est vrai, il s'était coupé le doigt. J'ai répété 100 fois que je voulais pas voir de camé chez moi. Ah! Si t'en veux, il faut que t'appelles avant, mec. Oh non. Attends, mec. Qu'est-ce que tu veux? La cam? Fric? Faut qu'il le tue. Je suis sûr qu'on peut s'arranger. Oh non. Merde. Oh putain. Oh putain, mais c'est un taré.
Ah! Non! Ah, mais ça commence bien. Oh putain. Oh, mais c'est un taré le mec. Ah merde. Oh là 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 là. Oh putain. Ah merde. Oh mais c'est un taré le mec. Tue-le. Oh bah ils ont plus de balles. Ils n'ont plus personne. Ah, faut que tu le tues. J'ai deux gamines. C'est elle, tu vois. Sarah. Et là, c'est Cindy. La petite. S'il te plaît. Je veux les voir grandir. Me bute pas. Je t'en supplie. Qu'est-ce que je fais là? Vas-y, je le tue. Ah! Oh, oh mon dieu! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Ouais, je l'ai tué. Bah non, mais j'ai pas le choix. J'avais pas le choix. Sinon, il m'aurait tué. Putain, c'est quoi encore dans la crosse? Oh là là, mais depuis le début, j'avais le truc sous ma main. Oh là là. Ah putain. Mais ils le font exprès, c'est pas possible. Ah ouais, mais j'aurais peut-être, si je l'avais pas tué, j'aurais pas réussi mon épreuve. Ok, d'accord. Roosevelt? C'est pas là où il habitait au début. C'est pas là où il habite et ça me dit quelque chose, l'adresse là. Vite des papillons. Merde. Bon, bah il commence bien. Et dès le début, ça commence. Dès le début, on attaque. Ah, nouveau trophée. C'est cool ça. Je suis un tueur. Non, non, je suis pas un tueur. Non. Ah, si. Mais non. Le propriétaire de l'appartement de Marble Street. Il s'appelle Adrian Baker. C'est un ancien chirurgien véreux. Il vendait des médocs en douce à des camés. Avec son pactole, il s'est acheté quelques apparts dans des immeubles délabrés, dont celui de Marble Street. Mais son petit trafic a fini par être découvert. Il a fait quelques mois de prison et il a été radié de l'ordre des médecins. Intéressant. Merci pour l'information, Sam. Je te revaudrai ça. Et Mad, sois prudente, ok? Compte sur moi. Je te rappelle. Ok, mais c'est qui elle? Le propriétaire de l'appartement où Ethan s'est coupé le doigt habite ici. C'est mince comme piste, mais c'est tout ce que j'ai. Ok, d'accord.
Non, bah là. Ah oui, c'est vrai, ça a changé les commandes. Salut. On m'a dit que vous vendiez du bétropène. Sans ordonnance. Désolé, je pense qu'on vous a mal renseigné. Au revoir. Attendez. J'ai vraiment besoin que vous me dépanniez. J'ai de quoi payer. C'est par là que vous auriez dû commencer. Je vous en prie, entrez. Ouais, bah bon. Quand même, je suis sûr qu'il y a moyen, il y avait. Je suis sûr qu'il y a moyen de d'éviter tout ça et de sortir le fils, le gamin. Le fameux médecin. Comme ça, tu cherches du bétropène, ma chérie. Des problèmes pour dormir? Combien il t'en faut? Je sais pas, 3 ou 4 boîtes. Je dois pouvoir te trouver ça. Tu prends un verre? J'allais m'en servir un. Ouais. Oui, pourquoi pas. On va discuter. C'est la première fois que je te vois. Qui t'a parlé de moi? Je sais plus. Ma mémoire fout le camp avec tous les mécanismes. Ouais, Je plane les 3/4 du temps. Vous pouvez avoir n'importe quoi comme médicament? tout ce qui s'achète a un prix, ma belle. Et toi, est-ce que t'as un prix? Laissez tomber. Je suis pas à vendre. Je suis à la recherche d'un appart en ce moment. Vous en avez à louer? Je suis désolé, mais ils sont déjà tous loués. Dommage. Je cherchais quelque chose dans le coin de Marble Street. Oh non. Il fait quelque chose. Tu ne bois pas? Non. Je sais pas pourquoi, j'ai pas confiance. En fait, j'ai pas très soif. Ouais. Bon, je vais chercher ce qu'il te faut. Attends-moi sagement ici. Je serai pas long. J'ai pas confiance, je suis sûr qu'il m'a mis un truc dans le verre là. Ce type me colle la chair de poule. Vite, jetez un œil pour voir si je trouve quelque chose avant qu'il revienne. Ok. C'est quoi ça? Des plans? C'est quoi ça? On dirait que le doc s'intéresse à l'immobilier, entre autres choses. C'est écrit quoi là? Il y a un truc d'écrit derrière. Des blouses de chirurgien. Je me demande pourquoi il les garde. Il n'est pas prêt de réopérer. Sûrement un nostalgique.
Eh ben, il est pas fait. Ah, c'est bon, j'ai tout fouillé. Mais je crois. Oh, oh putain. Oh putain, il m'a fait peur, ce con. Oh putain, oh, il m'a foutu des frissons là. Oh là, c'est quoi ce bordel? C'est qui lui? Bonjour à Mathieu. Il prétendait venir pour le recensement. Encore un de ces foutus espions à la solde du gouvernement. Oh putain, mais c'est quoi ce médecin là? Ah putain. J'ignore ce qu'il y fait. Peut-être un petit étouffier pour sauter les danseuses du Blue Lagoon. Pour être franc, je m'en tape. Tant qu'il me paye son loyer, il peut bien faire ce qu'il veut. Mais trêve de bavardage. La chirurgie me manque, vois-tu. Alors je saisis la moindre occasion. Putain, mais il va faire quoi là? Je n'ai pas d'instrument ici. Alors je fais avec les moyens. Ah bah tu vois, je t'ai fait découvrir une scène. Ah bah moi il m'a fait peur moi. Non non non. Il va me faire quoi le gars là? Non. Non. Bah non. C'est quoi ça? Non. Non. Quelqu'un vient sonner à la porte. Oh putain. Il me débarrasse de ce gêneur et je reviens m'occuper de toi. Bouge pas, ce sera pas long. Oh, mais c'est un taré ce mec. Allez, sors de là. Ah. Annie. Bonjour, putain. Je suis venu vous apporter la parole du Seigneur par le gré de ces bibles magnifiques que je vous échangerai avec joie contre un don de $5. Merci, mais ça m'intéresse pas. Non, mon frère. Je ne peux pas croire que la parole de notre Seigneur ne vous intéresse pas. Nous, son humble troupeau, devons marcher dans ses pas. Allez! Putain, mais j'arrive pas, hein! Ah, c'est bon! C'est bon, je suis détaché. Il n'a pas besoin d'une Bible en ces temps de violence et de haine. Les saintes écritures vous apporteront calme et sérénité chaque fois que vous en ressentirez le besoin. Cela pour à peine $5. Oh la tarée! Ah, c'est bon. Allez, sors de là. Oh putain. Oh putain, allez. Oh là là. Désolé, je déteste être interrompu quand j'opère, ça me fait perdre le fil. Alors, où en est-il? Ah! Annie! Annie! Encore? Il y a des jours comme ça où on peut pas avoir un moment à soi. Putain, mais il est demandé le mec là! Donne-moi deux secondes et chiottes. Oh là là! Comment je vais faire ça moi? Annie! Ah, c'est bon. Oh non, non pas ça. Ah, mais non, mais je peux pas. Ah, c'est bon.
Allez. Ah. Allez. Tiens. Wow. Oh putain. Ah putain, non. Non, 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 pas ça. Pas ça, j'aime pas ça. Ah merde. Aïe. Oh putain, il s'est pris un coup de marteau dans la gueule, tu vois. Non, 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 non. Oh. Oh, là, ça fait mal, ça. Ah merde. Ça m'a perturbé le coup de pied dans les couilles là. Allez, 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 allez. Ah, faut les rester à pied. Ah, allez. Allez. Oh putain, ça. Ah. Non. Oh putain, mais c'est un taré celui-là. Non. Oh la merde. Oh non, merde. Oh mon dieu, mais c'est un taré celui-là. Mais c'est un taré lui. Tiens, voilà. Tiens. Taré de médecin. Il peut plus avoir d'enfant, là c'est sûr qu'il peut plus avoir de gosse. Il s'est fait castrer le gars. Non mais c'est un taré ce médecin. Bon, maintenant on en est avec qui là? Ah, on est de retour avec l'inspecteur. Il fait faire rien, maman. Oh là, mais c'est énorme ce truc. C'est qui lui? Norman Jaden, FBI. Peux vous parler une minute? Je vous écoute. On va à l'intérieur. Ok, bon. Je cherche le propriétaire d'une Chevrolet Malibu 83 bleue. Je me fous de savoir comment cette voiture est arrivée ici. Ce que je veux, c'est le nom de celui qui l'a conduite. Désolé, je dis rien du tout. C'est pas ce qu'on appelle une bonne mémoire. Je peux peut-être vous aider à vous rappeler. Si cette voiture appartient à celui que je cherche et qu'on découvre que c'est vous qui lui avez vendu, je vous jure que vous allez passer plusieurs années à l'abri de la pluie. J'ai pas vu votre bagnole, ok? Vos menaces à la con n'impressionnent pas. Maintenant dégagez. Voilà, viens là toi. J'ai pas fini avec toi. Ah, c'est quoi ça? Oh non! Ah, c'est quoi ça? Ici.
Et ça continue tout le long. Les traces de sang mènent vers le bac d'acide. Ah, le bac d'acide. C'est dégueulasse. C'est quoi ça? Ah putain. Oh putain, mais tout le monde se fait choper ou quoi? Oh putain. Putain, mais tout le monde se fait choper là dans ce jeu. Oh, encore un combat. Merde, mes lunettes. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Allez. Allez, on y va. Oh, lui dérouiller sa gueule. Allez, lève-toi. Assez joué. Maintenant, tu vas me dire qui est l'homme à la voiture bleue. Va te faire foutre, tocard. Je vais te donner une deuxième chance avant que je me mette vraiment en colère. Ah ouais, et tu vas faire quoi? Passer les menottes, me lire mes droits. Ah, j'ai peur. Ah, mais lui, il va prendre une licence. C'est quoi ça? Et on va avoir un joli feu d'artifice, Jack. Eh, hey, tu déconnes. Tu vas pas faire ça, hein. On dira que c'était un accident, d'accord? Enfin, moi, je le dirai, parce que toi, tu pourras plus vraiment parler. Hein, Jack? Merde, t'es un putain de taré, t'es complètement... Je sais rien sur ce type. Il voulait que je me débarrasse de sa caisse sans laisser de traces et que je lui en trouve une nouvelle avec des fausses plaques. Il m'a payé cash. J'ai pas posé de questions. Je vais prévenir un certain Paco dans un club qui s'appelle le Blue Lagoon quand la caisse serait prête. C'est tout ce que je sais. On va aller parler de tout ça au poste. T'es en état d'arrestation. Tu as le droit de garder le silence. Tout ce que... Voilà. Merde, non, c'est pas le moment. Tout ce que tu diras... Bouffon, va. Oh merde. Non, non, non. Oh putain, oh non. Oh putain, mais c'est pas possible. Ah mais tout le monde se fait choper. Voilà, c'est quoi ça? Oh non, pas encore! Ah non, j'en ai marre! Ah non, je suis encore attaché là! Oh putain, j'en ai marre! Putain, mais. Putain, mais j'en ai marre! Hein. C'est quoi ça? Il veut me broyer le mec? C'est un taré! Oh là là, allez, 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 allez. Allez, hop. Ah putain, c'est bon, j'ai réussi à me détacher. Déjà pas mal. Waouh, 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 waouh. Oh putain, non, non. Non. Yo, non, sort. Allez, sort. Oh putain.
Allez! Allez! Aïe, 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 putain, il est chaud, ouais. Oh. Oh non, merde! Pas possible, ça. Ah, putain, merde. Non, pas ça. Ah, putain, mais j'aime pas ça. Oh là. Tiens. Mais le mec, il prend rien, hein. Ah. Allez. Allez, 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 allez. Oh, putain. Sois tranquille. Allez, allez. Oh non, pas ça. Allez, putain. Allez. Allez. Allez, mets-toi la gueule dans les chenilles, là. Ah, tiens, voilà, tiens, voilà. Ah, ça fait du bien. Voilà. Oh, putain, il s'est fait écraser. Ah, bah voilà, c'est parfait, ça. Bon, je vais me reposer un peu là. Waouh, c'est le marathon quoi là-dessus là. Yeah, GG Princess Level 2, bien joué. Bon alors, j'ai loupé quoi? Hey, salut Nico. Alors, on... il va jamais s'en sortir. Hein. On va bien rigoler, bande d'enfure. Au crâne, j'adore. Mais là, c'est pas bon, ça, les crânes. Ouais, non, mais ce que je vois, ouais, c'est tous des tarés. C'est le bordel. C'est le bordel complet. Ah, Big GG, ouais, j'ai réussi, ouais. Combat phase 3, ouais. Ah, bah, laisse tomber, toi, t'as minus, bah, c'est clair. Ah, ouais, bah, oui. Ah, c'est comme ça qu'on vit, il est con, comme ça. C'est comme ça qu'on vit la tube de dentifrice. Ouais, ah, tu as pas fini. Bah, moi, j'en suis sorti. J'ai loupé deux, trois trucs, mais, putain. Écoute, t'as peut-être désactivé les messages privés. Moi, je l'avais fait en époque. Non, mais t'as peut-être dans les paramètres, t'as peut-être désactivé les commandes, les messages. C'est peut-être pour ça. Ah ouais, non, mais là, c'était chaud, là. Putain, dès le début, c'est... D'accord. Oh, ça va être un bug de Twitch.
Bon, ça va, je suis content, hein, je suis sorti. Je crois que c'est le fait d'avoir été sur Beyond. Beyond, c'est quand même beaucoup plus. Vous avez débloqué un nouveau bonus. Nouveau trophée. Ah, retour avec l'inspecteur. On a madame. Vous pensez que c'est le tueur aux origami qui a tué l'antiquaire? Ça me semble plausible. Vous voulez sûrement l'empêcher de parler. Vous croyez que Gordy Kramer en est capable? Lui ou un de ses hommes de main? Gordy a le temps et les moyens. Et il a l'air suffisamment tordu pour faire ce genre de choses. Ça n'en fait pas un coupable pour autant, mais ça en fait au moins un suspect. Ce sont vos dossiers sur l'enquête? Oui, ça fait 2 ans que je suis sur cette affaire. J'ai amassé pas mal de paperasse. Des magazines sur les origamis. Vous pensez que le tueur a pu s'abonner à ce genre de revue? S'il s'est intéressé aux origamis ces 30 dernières années, son nom est sur cette liste. Sauf qu'il y a plus de 500 noms là-dedans. Ça nous avance pas beaucoup. Je meurs de faim. Vous avez quelque chose à manger? Je suis pas un cordon bleu, et je peux vous faire des œufs brouillés si ça vous dit. Très bien. Je suis trempée, j'ai besoin de me réchauffer un peu. Ça vous embête si je prends une douche? Je vous en prie. La salle de bain est à côté de ma chambre. On va aller faire des œufs brouillés. Les œufs pendant ce temps. On va aller faire ces œufs brouillés, hein. La poêle. Allez. Nous cuisiner maintenant. Après avoir changé des couches, après avoir soigné quelqu'un, je fais la cuisine. On fait tout dans ce jeu, c'est pas possible. Allez, un peu de cuisine. Génitro, The Vélin, bien joué. Envie de se cuisiner, une vraie femme d'intérieur. Non, mais j'ai tout fait. J'ai changé des couches. Oh merde. Oh, bah attends, tu vas voir, les œufs vont être cramés. Ah non, c'est bon. Les œufs doivent être assez cuits maintenant. Putain, mais c'est un steak, c'est pas des œufs brouillés. C'est quoi ce truc là? Ça, c'est le travail de maman. GG Eco level 2, bien joué. Je me suis permis d'emprunter votre peignoir. Tranquille, ça va. Vous vous êtes débrouillé comme un chef, ça a l'air bon. Qu'est-ce que c'est? Le calepin que j'ai pris chez Manfred. D'après ce qui est écrit, une trentaine de clients auraient acheté des pièces détachées de Royal ces 10 dernières années. Le tueur est peut-être l'un d'eux. Vous savez, aller les voir un à un et vérifier leur emploi du temps, ça risque de prendre du temps. Sauf si on arrivait à les recouper avec la liste. La liste des abonnés au magazine d'origami, vous l'avez toujours? Oui, mais attendez. Ah, on a trouvé le tueur aujourd'hui? Est-ce qu'on va trouver le tueur dans cet épisode? Il ne mange pas ses œufs, du coup? Si le tueur s'est bien servi d'une machine à écrire Royal et qu'il a été abonné à un magazine sur les origamis, son nom doit se trouver sur les deux listes. Enfin, Ren, oui, en théorie, c'est possible. Enfin, je suppose. Son nom est là, quelque part.
Aidez-moi, on va vérifier. Ok, d'accord. Bon. Ah, moi les deux, mais je préfère quand même Beyond. Il est bien celui-là, mais je préfère quand même Beyond tout seul. Il y a un peu plus d'action sur Beyond. Même si là il y en a un peu, mais c'est un peu. Ah, ils ont trouvé. Le seul suspect figurant sur les deux listes est mort à l'âge de 10 ans. Qu'est-ce que vous voulez faire? Sortir son cercueil pour voir s'il est bien mort? Je sais que ça n'a aucun sens. À moins que le tueur utilise son nom. Pourquoi utiliser le nom d'un gamin mort depuis 30 ans? C'est ce qu'on est venu découvrir. Son nom est John Shepard. Sa tombe doit être quelque part par là. Oh là là, on va déterrer un mort. Vous n'abandonnez jamais, hein? En même temps, elle a perdu son fils dans cette histoire. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'abandonné? Ok, on marche sur des gens morts. C'est trop bien. Ah. Carré dans le fond. Peut-être là, non? Cette fille est une vraie tête de mule. Impossible de la raisonner. Plus vite on trouvera cette tombe, plus vite on pourra se tirer d'ici. Excusez-moi. Je suis à la recherche de la tombe d'un dénommé John Shepard. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est un enfant décédé il y a une trentaine d'années. Les enfants, c'est le lot d'à côté. Merci. Je déteste les cimetières. Ces endroits me collent le bourdon. Carré irlandais. Il doit y avoir d'autres carrés, peut-être. Attends, on va les voir. Voilà qu'elle s'est mise en tête qu'elle était sur une piste. On est juste en train de perdre notre temps dans ce foutu cimetière. Peut-être pas. Carré irlandais. Ouais, donc c'est là-bas en fait. Ouais, en gros c'est ça, c'est le secteur là. En tout cas, on peut pas lui enlever une chose, cette fille est déterminée. Excusez-moi, je cherche la tombe d'un petit garçon. Du nom de John Shepard. Dans cette allée, un peu plus loin. Merci. Ok, d'accord. Alan Moore. Jonathan Jackson. Je l'ai trouvé. Ah bah. On dirait que quelqu'un entretient encore la tombe. Repose en paix. 1977. Des origamis. Des origamis. Ah bah c'est la bonne piste alors. Cimetière presque toute ma vie. Je me souviens de ce qui s'est passé. C'était en 1977, en octobre, je crois. En 1977, ça remonte à 1977.
va faire? Il pleut des cordes. On va être trempés si on passe la journée dehors. Au moins, on se fera pas cogner. On n'a jamais tué personne, un peu de pluie. Allez, viens, on va jouer. Salut, Super GTA. C'est ça. Bah, moi, je sais pas. Là, capture, je sais pas. Franchement, je sais pas. Au début, je croyais que c'était la fille, là. La fille qui s'est fait choper par le médecin, mais maintenant, j'avoue que je sais pas. Parce que maintenant, elle cherche des preuves aussi, c'est bizarre. Les cafards. Je sais pas, c'est bizarre. Moi, je dis, c'est... Enfin, je sais pas. Je sais pas qui ça pourrait être. Ah, j'ai des doutes. T'es même pas capable de me suivre. Eh, ça aurait cravé le petit, là. Quoi cette voiture, elle me dit quelque chose. Bah. Se foutre de ma gueule. Ah ouais, faut rester. C'est peut-être moi. Ouais, il est parti encore. Il est parti où? Ah, il est là. Voilà. Oh là, mais c'est dangereux là par là. Il est parti, voilà. Alors, tu viens? Oh la merde! C'est pas vrai, t'es vraiment trop lent. Non, mais il va se. Pas bon de courir dans les chantiers comme ça. Voilà. Putain, il est parti où là? C'est pas vrai. T'es vraiment trop lent. Il est parti où le gamin? Oh là là, c'est un taré, gamin. Il est parti où là? Ah mais il va trop vite là. Je suis la paumée. Allez là.
Il est parti ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est un taré. Ah merde. Ah mais on va continuer longtemps comme ça. Et il va tomber. Oh putain. Oh non. Oh là là, ça va être super chaud ça. Ah ça va. Ça va. Oh non. Mais... Ah oh, putain, là ça va me saouler. Hein. Ah c'est bon. Aller plus vite. Voilà. Allez, à ton tour maintenant. Oh là là. C'est le moment du saut de la mort. Oh là là. Oh putain. Ah non, mais c'est des fous. Oh là là, il y a trop de commandes là. Ah putain. 10, 11, 12, 16. Allez, plus vite, hein. Merde. Et là, on ne trouve plus. Putain, maintenant je dois... Oh là là. Au secours. Comment ça, au secours? J'écris. C'est la voix de John. John. Oh là. Qui est coincé? Attends. Oh le pauvre. Allez. Oh non, le pauvre. Non. Allez,
Et il essaie de reproduire. Le pauvre gamin n'a jamais trouvé d'aide. Et son frère est mort noyé dans ce conduit rempli d'eau de pluie. Il essaye de reproduire ce qui s'est passé. On m'a dit qu'il avait été retiré de la garde de ses parents. Il a été adopté, il me semble. Il faut que je rentre maintenant. C'est le frère d'Eugène. C'est le frère de Jen qui tue tout le monde en fait. Ça alors, quelle histoire horrible! John Shepard est mort noyé dans de l'eau de pluie en tenant la main de son frère. Vous pensez que son frère serait le tueur aux origamis? Venez, retournons la voiture. Ouais, à mon avis, ça va être ça. Hein. Christian Winsbah, ouais, ben vas-y. Ce gamin est mort il y a 30 ans. Qui peut encore entretenir la tombe après tout ce temps? Bah son frère. Décidément, cette fille est surprenante. On n'a plus rien à faire ici. Je ferais mieux d'y aller. Putain, elle est où la sortie? Là, faut que je trouve la sortie. Ah, c'est là. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Cet homme là-bas. Eh bien. Ah, mais c'est le gars de... Donc c'est Gordy le tueur alors. Sur la tombe de John Shepard. C'est Gordy ou c'est Kramer? 30 ans? Non, il a pas plus de 30 ans. Non, c'est Gordy. Ah, ça va être Gordy. Il a obtenu un nouveau trophée. Ah, ça doit être Gordy. Moi, je pense que c'est Gordy là. Par contre, j'ai un petit souci. J'ai pas un commentaire. Salut Spartian, comment vas-tu? Ah ouais? Ah d'accord. Ok, d'accord. Bon, par contre, je vais utiliser 200 messages, GG. GG les gens. Ouais, je suis loin encore, donc c'est... Je suis loin de tout savoir. Bon. Ça va tranquille, hein? Ouais, ça va tranquille. Merci pour ton follow, Spartian. Bienvenue chez Frérot Gaming. Ouais, bah moi aussi, princesse.
J'ai eu le même bug là. Je voyais aucun commentaire. J'ai actualisé. Bah écoute, moi, ce que je pense du jeu, il a l'air sympa. L'histoire en elle-même, elle j'aime bien. Maintenant, je trouve que ça manque un peu d'action. Par rapport à Beyond Two Souls. Voilà. Non, franchement, il est bien. Ah bah vas-y, fonce. Si t'aimes bien les QTE, si t'as fait Until Dawn, il est bien. C'est même style qu'Until Dawn. Bon, c'est pas le même univers, parce qu'Until Dawn, c'est plus un univers de peur et tout ça, mais... Ah ouais? Ouais, bah elle est pas belle, la fille. Le barman. Il pourra me dire où se trouve Paco. Si ce Paco est un copain du doc, je ferai bien de me méfier. Le ouais, c'est clair. Il pourra me dire où se trouve Paco. Ok, il est où le bar? Il est où le bar? Ah, il y a le carré VIP là. Je vais aller faire un tour dans le carré VIP. Ok, d'accord. Bah moi perso ah ouais Until Dawn il était excellent ouais. Une scène? Ah il y a une scène de crack crack. Oh merde, non arrête maman, mais non je fais pas que des conneries. Non on va pas la louper la scène de crack crack. Moi je te le dis on va pas la louper. On va faire crack crack là tu vas voir. Mais ouais Until Dawn il est vraiment top, hein. Franchement, si t'as fait une petite zone, tu vas kiffer V-Wine. Mais Beyond Two Souls, il y a plus d'action quand même. Mais c'est plus compliqué quand même. Hein. Tu serais venu un peu plus tôt, t'aurais vu, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Cool. Bon. Il est où le bas? Ah, il est là le bas. Putain, je vais aller danser. Non, c'est pas le bar ça. Ah, faut que j'aille danser. Je vais aller danser sur la table. C'est quoi ça? Ah, c'est les toilettes? On dirait que Paco apprécie les filles sexy et pas très farouches. Peut-être qu'en dansant pas loin de lui, je pourrais attirer son attention. Ouais, bah ouais, c'est ça. Ah, attends, il y a un truc là. Le moment est venu de jouer la bimbo. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ah, ça joue d'une bombe. Attends, on va faire crac crac.
Oh! Ah oui! Ah oui! Ça, j'achète! Ça, j'achète! Ah ouais! Ah oui! Une jupe plus courte! Ah, c'est bien ça! Oh putain! Ok, c'est parti à se maquiller. Voilà. Ouais, non, bah alors là, je vais m'enfoncer le truc dans l'œil. Non, mais pas deux fois. Ah, je vais m'enfoncer le truc dans l'œil, tu vois. Ah non, ça va. Un peu de rouge à lèvres là. Voilà, un peu de rouge à lèvres, nickel. Ah merde. Ah merde, je me suis foiré. Non, pas le flingue. Ok, bah apparemment c'est fini. Ouais, bof. Ouais, bof. J'attends 2 minutes tout compte fait. Bon bah c'est parti, on va aller danser. Ah mais ça aurait été mieux avec Ellen Page là. Ah celle-là elle est moche. Bon déjà elle est un peu plus sexy. Déjà. Danser. Allez, c'est parti. Ah putain! C'est chaud quand même. Ah putain, je savais pas que c'était aussi chaud pour danser. Oh, il bout du chèque! Il va kiffer, le gars. Ah, ça y est, il est en kiff. Ça y est, il est en kiff. Allez, casse-toi. Ouais, j'arrive. Ça marche, à demain, c'est parti, à la prochaine. Alors, s'il est passé, à la prochaine. Tu vois, t'es quelque chose. Oh putain, mais il est moche. Oh là là. Madison. Je m'appelle Madison. J'aime beaucoup ta façon de danser, Madison. Et je te trouve aussi très sexy. Oh, mais il est moche. Nous pourrions peut-être continuer cette conversation dans un endroit plus privé. Oh, bien sûr, poupée. Viens, suis-moi. Ok, d'accord. Putain, je vais me le taper, le gars. Putain, hey. C'est toujours dans les mauvais jeux que je me tape. Même dans un jeu, je me tape les gonzesses de merde. Pff, oh là là. GG level 3, bien joué.
Oh, il y a des bougies. Hein. Je rentre, je lui fais cracher le morceau et je me tire vite fait avant qu'il ameute ses gardes. Tout va bien se passer. Ouais, bah, je suis pas trop sûr. Hein. Ah, mais c'est un portugais, hein. C'est un vrai portugais. Oh, il y a des petits poissons, hein. File-moi ça. Crois-moi, on n'aura pas besoin, ma jolie. Merde, elle a plus son flingue. Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Allez, vas-y, dessine-toi. Enlève tout ça, bébé. Crois-moi, je t'ai pas fait monter pour papoter, chérie, loin de là. Allez, montre-moi ce que tu sais faire. Putain, la musique de merde. On pourrait peut-être... Juste, histoire de briser la glace. Est-ce qu'il me concerne la glace? Salut, le prédateur, comment vas-tu? Ah, moi je connais pas, moi. En fait, je crois qu'on s'est mal compris. Voilà tout. Je vais y aller. Je suis désolée. Une prochaine fois, peut-être. Non, mais je préfère Bayoum quand même. Oula. Donc c'est toi qui as mal compris. Oula. J'aime pas perdre mon temps. Alors maintenant. Fou à poil ou je te refroidis. Tu m'as bien compris. Vraiment, c'est à poil, non? Vas-y, mets pas, mets-toi à poil. Attends, je me mets en position. Ah! Allez, enlève-moi ça, là. Ça t'a bandé! Ah! Forcément un moyen de me sortir de là. Je pourrais lui sauter dessus et essayer de l'assommer. Pas la peine d'y penser. Il est plus costaud que moi. J'ai aucune chance. Ok, ça marche. Ah. Appeler au secours. C'est ça. C'est pas le gars qui va venir me sauver. Lesbienne. Tu veux dire que je suis lesbienne? C'est pas le moment de faire de l'humour. Allez, enlève le soutif là. Putain, va se dessaper tout le. Oh putain, la musique là! La lampe. Si seulement je pouvais trouver un moyen de l'attraper. Je crois que j'ai trouvé. Merde! Mais non! Oh putain! Mais merde, mais je vais pas y arriver. Allô? Je dois faire quoi là? Oh putain, je vais pas y arriver. Hein. Allô? Mais non, mais sans déconner. Mais putain, vas-y.
Mais non, mais j'y arrive pas. À chaque fois, je suis dans le mauvais sens. Mais non, mais... Oh là là. Je fais doucement. Hein. Oh putain! Oui, la salope! Putain, non, mais là ça me gonfle. Ah, c'est bon. Non! J'étais presque! Oh, mais vas-y, mais le détecteur, c'est de la merde. Oh, mais putain. Oh, oh, bah, y en a un qui est parti. Oh, putain. Bon, vas-y, j'en ai marre, là. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Jamais ah ouais? Ah bah moi je sais pas je fais les trucs allez. Bah non mais il marche pas le truc là, c'est pas possible. Mais non mais ça marche pas leur truc là. Ah oh, putain, j'ai resté bloqué pendant 2 heures. Hein. Ah ouais, non mais là ça me saoule. Mais non, mais là j'y arrive pas là. Oh, mais merde, putain. Putain, j'y suis presque à chaque fois là. Ah, je pète un plomb. Alléluia! J'ai réussi! Putain, j'ai réussi. Ah. Ah, 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 ah. Continue, bébé. Je crois que tu commences vraiment à me plaire. Boum! Tiens! Ah non, mais là j'ai pas réussi là. Bon, c'est bon, maintenant il faut le réveiller. J'espère que j'ai pas tapé trop fort avec la lampe. Oh, l'éternel qui se prend, le gars. Oh putain, l'éternel qui s'est pris. Si t'essaies de crier, je te descends. Qu'est-ce que tu me veux? Tu loues un appartement sur Marble Street. Je veux savoir pourquoi. Un appartement? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Ah ouais? Espèce de salope, je vais te crever!
Bastos. Dommage, parce que quand je t'aurai retrouvé, moi j'hésiterai pas. Paco, est-ce que tu vas bien? Tu es en train de bander. Les gueules qui se tapent. Tu tiens vraiment à tes couilles, Paco. Tu ferais mieux de cracher le morceau. Oh oui. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Arrête! J'arrêterai quand tu m'auras dit ce que je veux savoir. Merde, voilà. J'ai jamais foutu les pieds dans cette porte. J'ai filé les clés à un type. Il cherchait un endroit. Il avait de quoi payer. Oh putain. Comment il s'appelle ce type? Je sais plus, je le jure. Mais non. Non, mais non. Shepard. Il s'appelle John Shepard. C'est tout ce que je sais, je le jure. Oh. Eh ben voilà, c'était pas si difficile. Bon, désolé de ne pas terminer cette charmante soirée avec toi. Mais il faut que j'y aille. Un de ces jours, mon grand. Ok, d'accord. John Shepard. Mais il est mort, John Shepard. Il est temps que je dégage d'ici. Je commence à avoir un sale mal de crâne. Bon, maintenant faut que je me casse. Alors, faut que je trouve la sortie. Je ne peux pas aller à la sortie. Allez! Arrête de danser là! Bah voilà! Et bon, disait le prédateur qui révèle un bien joué. Bah voilà, c'est fini. Ah bah lui aussi il vient là. Je viens voir Paco. Paco, y'a pas de Paco ici. Alors dégagez. Vous êtes absolument certain? Il est dans son bureau. L'escalier là-bas. Ok, bah maintenant faut que je retourne avec le FBI. C'est qui le gars? Ah, faut que je me dépêche. Voilà, il va me tuer. Elle est en train de le tuer. Je vais savoir qui c'est alors. Allez. Non, on fonce la porte là. Putain, il est déjà parti. Oh putain, il est déjà parti.
Bon allez. Ah, et le pire, c'est que maintenant, ils vont accuser la fille. Putain, il est déjà parti, le connard. Hein? Luna? Oh putain, c'est lui! Ah! Non! Merde! Allez, allez, allez! Je veux savoir. Enlève ton masque. Mais non, merde! Putain, je rate tout là. Allez, on se concentre. Merde, putain. Oh putain. Allez, lève-toi. Lève-toi. Allez. Ah putain. Non, lève-toi. Mais non. Ah putain! Allez, lève-toi! Putain! Merde! Je ne sais pas, il est mort. Ou pas. Ça se trouve, en fait, il est pas mort. Mais non, c'est son frère. Ah, je comprends plus rien. Putain, merde. Putain, il était là, les boules. On dirait que le tueur cherchait quelque chose. Merde, je suis dans une impasse. Tout ça ne m'a mené à rien. Il aurait pu me tuer. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait ? Ouais, j'avoue. J'arrête pas de dérouiller en ce moment. On tue un suspect, on essaie de me supprimer. J'espère que ça veut dire que je suis sur la bonne piste. À ce rythme-là, je vais finir en pièces détachées. Cet enfoiré m'a fracassé les cervicales. Il faisait sombre et tout est allé très vite. J'ai pas eu le temps de voir son visage. Paco connaissait l'identité du tueur. C'est pour ça qu'on l'a tué. C'est bizarre, putain. Allô? Lunettes.
Oui, mets tes lunettes, là, on va enquêter tout ça. Mais c'est ce qu'on dit bouche à bouche. Voilà, bon, là j'en ai des preuves. On va examiner tout ça. Tiens, tiens. On dirait que je suis pas le seul à suivre la piste du tueur. Madison Page, une journaliste. Intéressant. Des phéromones d'orchidées. L'homme était bien le tueur aux origamis. Putain, merde. Eh ben, Paco n'était pas exactement un saint. Son casier judiciaire ressemble à un annuaire téléphonique. Une balle en pleine tête. Il est mort sur le coup. Okay. La poche du tueur que j'ai déchirée pendant qu'on s'est battu. Deux reçus de la même station-service. Intéressant. Calibre 45. Est-ce qu'il n'y a pas les empreintes là, Julien, là, sur l'épée? Non. Ah, je suis rêvé. Encore Madison Page. Elle a peut-être vu quelque chose? Ouais. Dix-sept pages. Encore. Hey, Aka! Ça va, mon petit Aka? Comment vas-tu? Vas-y! Ah, je suis en pleine enquête. Donc, un calibre 45 semi-automatique. Pas d'empreinte digitale. Ça aurait été trop simple. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Ok, bon, je pense que j'ai chopé toutes les preuves. Ok. Ok, d'accord. Il faut que je rentre. Je dois réfléchir à tout ça. Je commence à trembler et à avoir des sueurs froides. Il vaut mieux que je me dépêche de retourner à l'hôtel. D'accord. Bon, ça va tranquille, ouais, ça va tranquille.
J'ai même eu la preuve bonus. Ah ouais. Qu'est-ce qui m'arrive? Bah, je sais pas, il y a des gonzesses dans ce jeu, donc je me suis dit, on va jouer des enquêteurs. Ah, on va voir ce qu'il y a dans la moule, mais j'arrive pas à voir ce qu'il y a dans la moule. Bon allez, on va s'arrêter là les amis. Ça a été court, mais on en reprendra la prochaine fois. D'accord, faut essayer. Donc voilà. On tourne au menu principal, hein. Oui. Voilà, voilà. Qui s'est dit. Oh, bah, quand on me dit qu'on lol. Ah, bah oui. Eh ouais, bah ouais. Bah, pas, tu me fais bailler. Ah ouais, non mais hey, depuis 11h30, là, je stream. Tu suis mort. Qui fait la Beyond Poussou, Levi Rain. Donc voilà, donc, j'espère que ça vous a plu. Hein. N'hésitez pas, pour ceux qui sont là, n'hésitez pas à follow. On a plein de jeux, on est multigaming. C'est la carotte portugaise. Ok. On est multigaming, les amis, escrocs. Voilà, on a plein de jeux avec mon ami Haro. Il y a des jeux qui vont arriver aussi. Voilà, et là, un prochain jeu que je prends, c'est Assetto Corsa. Voilà, voilà, donc, rembourse-nous. Bonne nuit, ma petite maman. Bonne nuit à tous ceux qui sont là. Et bonne nuit, Aka. Tu vas streamer, là, Aka, non? En pire, je te host, hein, si tu veux. Oh my god. Bah, quelle sorte, je sais pas. Je sais pas du tout. Le fils de l'autre, là. Gordy, là, ou je sais pas quoi, là. Je pencherais bien pour le fils, là. Parce que c'est peut-être son pote, peut-être son meilleur ami qu'il a vu mourir. Et il essaie de reproduire ça, je pense. Je pense, hein, peut-être, je sais pas. Ça marche, bonne princesse. Tu vas streamer? Bah vas-y, je te host, alors, si tu veux. Lance ton stream et je te host. Voilà, donc bougez pas, hein, pour ceux qui sont là et qui vont pas se coucher. Vous allez voir mon petit AK là, qui va streamer. Tu vas streamer sur quoi, AK? N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner sur YouTube. On a plein de vidéos. Tu vas sur The Division? Bah voilà. Bon bah si vous voulez aller voir The Division, n'hésitez pas à aller voir mon petit AK. Et j'ai rien suivi à l'histoire. Mais si, mais je sais pas. Là pour l'instant, je sais pas du tout. Bon, bonne nuit à tous. Bonne nuit les gens. Bonne nuit Katsu, bonne nuit princesse. Bonne soirée Aka. Et merci à tous ceux qui étaient là. Bonne nuit ma petite maman. Bonne nuit à Partian aussi qui était là tout à l'heure. Bonne nuit à tous. Yes, ça marche.
Ça marche, chacun. Vas-y, mais je vais passer sur ton stream de toute façon. Je vais faire un petit tour sur ton stream avant d'aller dodo. Bon allez, je vous laisse et je vous dis bonsoir demain soir 23h30 sur Trackmania Turbo. Ah, c'était son frère. Ouais, bah c'est son frère alors. C'est son frère, John Parker. Bah c'est John Shepard là. Bah c'est son frère. Tout de suite, Taka. Bonne nuit, Kassurte. Et demain soir sur Trackmania Turbo, 23h30. Salut, salut tout le monde. Ciao, ciao.